En 2009, David Fortin, un jeune garçon québécois de 14 ans, va disparaître suite à une fugue. On découvrira plus tard qu'il était harcelé à l'école. Sa maman va se battre corps et âme pour retrouver son fils. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de David Fortin, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième vidéo de la semaine des 5000 abonnés. J'espère que vous êtes toujours contents de me retrouver. Alors aujourd'hui, je vous viens avec une histoire qui est malheureusement non résolue encore aujourd'hui. Je trouve que c'est important d'en parler. Je sais qu'elle est un petit peu traitée sur YouTube, il y a quelques articles sur cette histoire, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez, donc je suis contente de vous en parler aujourd'hui. Juste avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis vous pouvez aller faire un tour sur mon Utip pour me faire un don seulement si vous en avez envie et si vous en avez les moyens. Parlons maintenant de David. En 2009, David Fortin est un jeune garçon de 14 ans. Il habite à Alma, au lac Saint-Jean, au Québec. Il vit là-bas avec sa maman, qui s'appelle Caroline Lachance, son papa et sa petite sœur. Sa petite sœur avec qui il s'entend très bien d'ailleurs. David était décrit par sa famille comme un garçon très souriant, très serviable, aimable toujours, qui s'entendait très très bien avec sa famille. C'était un peu comme un petit garçon modèle. Maintenant, nous allons parler du 10 février 2009. Ce jour-là, alors David, il se lève, il se prépare pour aller à l'école, et puis à 8h, il y a son bus qui passe pour venir le chercher. Sauf que ce jour-là, David veut vraiment pas aller à l'école et il va demander à sa maman pour rester à la maison ou alors qu'elle le conduise un petit peu plus tard. Sa maman, elle ne comprend pas vraiment, elle se dit que c'est un caprice de son fils et donc elle va lui dire d'aller à l'école. Et ce jour-là, donc David est sorti avec un gros manteau rouge, c'était l'hiver, il faisait très froid, et il va monter dans le bus, ou en tout cas c'est ce que sa maman va croire. En vérité, ce jour-là, il n'est pas monté dans le bus, personne ne l'a vu dans le bus, et d'ailleurs plus personne ne le reverra ensuite. Ce jour-là, vers 16h, ses parents ne le voient pas revenir à la maison, et ils commencent à s'inquiéter, l'école va même les appeler pour dire que David ne s'est pas présenté en cours ce jour-là. Donc là, ils vont paniquer, la maman et le papa vont vraiment paniquer, et ils vont aller reporter la disparition de leur fils David à la police. Suite à ça, une enquête sera ouverte, et c'est la Sûreté du Québec qui va prendre en charge cette enquête. Dans un premier temps, les policiers vont interroger toutes les personnes qui habitaient dans la ville, donc à Alma, mais personne n'a rien vu, rien entendu. Ça, c'est déjà étrange parce qu'on se dit, si un adolescent de 14 ans se fait kidnapper, bah il va crier et ça va s'entendre. C'est quand même, oui, c'est quand même un garçon de 14 ans, on n'est pas sur une petite fille ou un petit garçon tout jeune de 4 ans qui saurait pas ce qui se passe. Là, un enfant de 14 ans, il se fait kidnapper, il comprend ce qui se passe. Mais là, le 14 février, donc 3 jours après la disparition de David, une personne va appeler la police. Donc là, il y a déjà des affiches de disparition un peu partout. Et cette personne a vu l'affiche où il y a le visage de David et va dire qu'il pense l'avoir vu en train de faire du stop sur l'autoroute entre Trois-Rivières et La Tuque. Le 15 février, donc le lendemain, la police va fouiller les environs entre Trois-Rivières et La Tuque, mais ils ne trouveront rien. Et encore le lendemain, donc le 16 février, il va y avoir une grosse battue, une cinquantaine de bénévoles vont venir et une battue sera organisée à Alma, donc là où il habitait et là où il a été vu pour la dernière fois. Pendant ce temps-là, la maman de David va beaucoup réfléchir à tout ce qui s'est passé et la pauvre va vivre dans la culpabilité de ne pas lui avoir dit oui pour qu'il reste à la maison ou l'avoir emmené à l'école un peu plus tard ce jour-là. Elle se dit que si elle l'avait fait, peut-être que David serait toujours là. Après, je pense que c'est pas forcément le cas parce que si David voulait fuguer, il aurait peut-être fugué un autre jour en fait. Donc peut-être ça aurait été ce jour-là ou un autre. Donc selon moi, la mère n'a pas à s'en vouloir autant et puis elle ne savait pas. Mais voilà. Aussi, ce qui va être très dur pour les parents de David, c'est qu'ils vont apprendre que David était harcelé à l'école. Alors, les parents savaient que David recevait parfois des insultes, que parfois des personnes étaient méchantes avec lui, mais ils n'étaient pas au courant que c'était aussi gros, que c'était d'une aussi grande ampleur. Et quand ils vont s'en rendre compte, ils vont aussi beaucoup s'en vouloir de n'avoir rien vu. En fait, les parents vont aussi dire à la police qu'un peu avant la disparition de David,
David leur avait parlé du fait qu'il était mal à l'école, que des personnes n'étaient pas très gentilles avec lui, et les parents de David avaient appelé le directeur. Le directeur avait été prévenu, mais malheureusement personne n'a rien fait dans l'école, David n'a reçu aucune aide et rien n'a bougé. Et là, les parents, ils savaient pas trop quoi faire, mais David leur a pas dit non plus que ça avait empiré. Et donc voilà, ils ne savaient pas et ils n'étaient pas au courant de l'ampleur que ça avait pris. Une fois qu'elle était au courant de tout, Caroline s'en voulait parce qu'aussi, il y a des indices qu'elle se rend compte qu'elle n'avait pas vu et elle s'en veut aussi de ne pas avoir insisté auprès de l'école, de ne pas leur avoir dit, écoutez, mon fils ne va vraiment pas bien, il est harcelé, faites vraiment quelque chose. Et d'un côté, c'est aussi la faute de l'école parce que les parents de David avaient prévenu et eux ont pris ça à la légère. Donc pour moi, c'est plus l'école qui est fautive que les parents. Mais bon, je pense, ça arrive dans toutes les écoles, c'est tellement horrible le harcèlement scolaire et souvent le directeur, les professeurs, les surveillants ne font strictement rien et c'est tellement important de sensibiliser toutes ces personnes qui travaillent dans des écoles à ça. Et aussi en 2009, quand David a été porté disparu, c'était une période où à Alma, au Québec, on parlait énormément d'harcèlement scolaire, il y avait beaucoup de campagnes contre le harcèlement scolaire. Et David, quand on a appris qu'il avait fugué à cause de ça et que c'était comme ça qu'il avait disparu, il a un peu servi, le mot est sûrement pas adapté, mais d'effigie pour cette campagne. On sait que David était traité d'homosexuel, traité bien entendu, c'est pas une insulte, mais bon voilà, c'était compliqué pour lui. Voilà, on disait qu'il était homosexuel dans son école. Et ça se répétait, en fait, on ne sait pas vraiment s'il était homosexuel ou non, mais simplement comme les personnes le trouvaient efféminé, et ben voilà, c'est comme ça qu'ils ont décidé de dire ah, t'es homosexuel tous les jours, tous les jours, tous les jours. D'ailleurs, les parents de David ont aussi beaucoup milité après pour que l'harcèlement scolaire soit vraiment beaucoup plus prévenu dans les lycées, dans les collèges. Parce que c'est vraiment important, on n'en parle vraiment pas assez, même si on pense qu'on en parle assez, comme il y a encore du harcèlement scolaire, et ben, ça veut dire qu'on n'en parle pas assez ou qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Donc voilà, les parents de David ont énormément milité pour ça, et ils disent qu'un enfant qui est harcelé, il peut se suicider, mais il peut aussi fuguer, et un enfant qui fugue, c'est un enfant en danger, tout comme David l'a été. Bon, dans les recherches, on se dit que peut-être David est toujours vivant, qu'il a fugué et qu'il ne revient pas, qu'il a vraiment fugué, pas comme un enfant qui fugue 2 jours et qui revient, on se dit c'est possible qu'en fait, peut-être, rien de mal lui serait arrivé, simplement il serait parti. Les enquêteurs vont ensuite penser à l'hypothèse du suicide, mais ils disent que c'est bizarre, ils ont tellement tout fouillé aux alentours de Alma que si David se serait suicidé, c'est sûr qu'on l'aurait retrouvé, mais là on n'a rien, strictement rien retrouvé. Surtout que rappelons-nous quand même du témoignage d'une personne qui pensait l'avoir vu faire du stop. Donc ça fait quand même beaucoup et on pense qu'il aurait quand même quitté Alma. Et s'il a quitté Alma, c'était sans doute pas pour se suicider un petit peu plus loin. Alors l'enquête va stagner jusque 2011, quand en 2011, Claude Poirier, c'est un homme qui a sa propre émission comme de True Crime où il essaye de résoudre des enquêtes. C'est aussi un ex-négociateur de la police. Donc, Claude Poirier va être contacté par une personne anonyme. Cette personne anonyme disait être David Fortin et il disait qu'il voulait rentrer à la maison, mais seulement sous certaines conditions. Alors, les deux premières conditions sont assez logiques. Il voulait que la personne qui l'a aidé à se cacher n'ait pas de problème. Il voulait vraiment pas que cette personne se retrouve en prison ou ait une amende à payer ou quoi que ce soit. La deuxième condition, c'est que lui non plus n'ait pas de problème, qu'il ne se fasse pas harceler par des journalistes, etc. Il voulait rentrer et de nouveau retrouver une vie normale. Mais la troisième condition, elle, était vraiment étrange. En gros, il demandait à ce que ses parents quittent les témoins de Jéhovah et qu'ils acceptent son homosexualité. Ça a vraiment beaucoup étonné Caroline, sa maman et son père parce que ils connaissaient pas les témoins de Jéhovah, ils avaient jamais rencontré une personne témoin de Jéhovah, donc ça, c'était très bizarre. Et la deuxième chose, d'accepter son homosexualité, ça aussi, ils trouvaient ça étrange parce que bah, c'était des personnes très ouvertes d'esprit et ils ont toujours mis David en confiance. Ils lui ont toujours dit que voilà, ils pouvaient le dire, qu'il n'y avait aucun souci. Donc c'est très étrange que David dise ça. Malheureusement, cette piste n'aura jamais été plus loin et on ne saura jamais si c'était bel et bien David qui se cachait derrière ce mail ou quelqu'un d'autre qui a voulu faire une mauvaise blague. Bon, sinon, le 31 janvier 2012, il va y avoir un rebondissement dans l'affaire. Un homme va se rendre à la police pour dire qu'il pense avoir vu David devant un supermarché de Richmond
en train de jouer de la guitare, donc pour se faire un peu d'argent. Et c'est fort possible parce que David aimait beaucoup la musique et il jouait de la guitare. Donc là, les policiers vont directement se dire, ok, peut-être que c'est David, peut-être que c'est réellement David. Donc ils vont aller sur place, ils vont y rester souvent, ils vont regarder tous les jours. Malheureusement, comme cette histoire avait directement fait beaucoup parler d'elle, eh bien, l'homme qui jouait devant ce supermarché n'y est jamais retourné. Et quand la famille et la police ont voulu voir les caméras de surveillance qui avaient filmé cet homme, eh bien, les caméras de surveillance venaient d'être effacées, donc ils n'y ont pas eu accès. Par contre, même si ça n'a rien donné, ça a permis de relancer l'enquête, comme l'espérait Enfants Retour Québec, qui est une association, une organisation qui aide énormément les familles d'enfants disparus et qui aide donc la famille de David. La famille d'ailleurs ne perd toujours pas espoir et ils se disent peut-être qu'il est toujours vivant, peut-être que c'était bel et bien lui, peut-être que c'était lui toutes les fois où quelqu'un a téléphoné à la police pour dire je pense l'avoir vu. Donc ils gardent espoir, même si bah là ça fait quand même pas mal de temps et qu'au moment où on l'a vu dans le supermarché, il aurait eu 18 ans, mais la famille garde vraiment espoir. Alors, 2 ans plus tard, la famille va avoir un nouvel espoir de connaître la vérité parce que des ossements humains avaient été retrouvés et après analyse, bah, les experts disaient qu'il s'agissait sûrement d'une personne qui était mineure. Quand les parents de David ont appris ça, ils ont directement envoyé un mail à l'organisation Enfants Retour et le lendemain, ils ont reçu un mail. Les parents ont donc appris que les ossements n'étaient pas ceux de leur fils David, mais ceux de la petite Cédrica Provencher, qui avait elle aussi disparu. Donc si jamais j'ai fait une vidéo sur Cédrica Provencher, si ça vous intéresse, bah, je le mettrai dans le petit i au-dessus si vous voulez voir la vidéo. Bon, sinon voilà, les parents étaient quand même assez tristes et rassurés que ce soit pas, que ce soit pas David, mais ils restaient de nouveau dans... Bah, sans savoir ce qui s'était passé, sans aucun indice, et ils se sont exprimés à la presse sur cet événement. On s'accroche sur l'espoir que tout est possible. On retrouve des enfants disparus après 20 ou 30 ans, encore vivants. La découverte des ossements de Cédrica ramène dans l'actualité que d'autres enfants sont disparus, dont David. On voudrait retrouver notre enfant vivant. Il y a toujours des milliers de questions qui se posent. On espère toujours avoir la bonne information qui va nous mener à David. Quand les gens se promènent dans les bois, quand ils marchent dans des lieux moins passants, on veut qu'ils observent, dans la vie de tous les jours aussi. On espère un dénouement bientôt, mais différent de celui des Provenchers. Bon là, je vais juste vous dire une anecdote, mais que je trouve dingue sur la famille de David. En fait, quand la petite sœur de David était petite, elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Cédrica Provencher, qui était à l'époque déjà portée disparue. Et en fait, on arrêtait toujours Caroline, donc la maman, et sa fille pour demander si c'était pas Cédrica ou pour poser des questions. Et Caroline a très vite été sensibilisée aux enlèvements d'enfants. D'ailleurs, Caroline se rappelle qu'à l'époque, elle avait parlé de ça à son mari. Et elle avait dit que ça devait vraiment être horrible de perdre un enfant, surtout dans ces conditions. Et elle avait dit, heureusement, nous on habite à Alma, c'est vraiment un endroit où il se passe jamais rien. Et pourtant, la disparition de leur fils David Fortin sera une disparition très, très semblable en fait à la disparition de Cédrica Provencher. Et pourtant, David disparaîtra à Alma. J'ai trouvé une interview de Caroline qui s'est faite en 2019, donc 10 ans après la disparition de son fils, et elle expliquait vraiment que l'enquête n'avançait pas du tout et que c'était vraiment horrible parce que toutes les questions persistaient. Elle dira quand même que les enquêteurs font du très bon boulot, que tout se passe bien avec eux et que même encore aujourd'hui, ils cherchent vraiment à savoir ce qui s'est passé. Aussi, la famille est très heureuse de collaborer avec l'organisation Enfants Retour parce qu'ils font vraiment tout pour que la famille ne perde pas espoir et pour que tout le monde se rappelle toujours de David. Je tiens aussi à dire quand même pour finir cette vidéo que David n'a pas vraiment un physique atypique, on peut facilement le confondre. Donc toutes ces personnes qui ont cru voir David quelque part, peut-être que ce n'était pas lui. Donc faut prendre avec des pincettes toutes ces personnes qui pensent l'avoir vu et surtout faut pas non plus aller vers des fausses pistes en voulant juste garder espoir. Donc voilà, tout ce que j'ai dit là par rapport à des gens qui l'avaient vu faire du stop par exemple ou qui l'avaient vu devant ce supermarché, de juste prendre ces informations avec des pincettes. Et je vais terminer cette vidéo par vous projeter le portrait robot de David. C'est un portrait robot vieilli qui montrera à quoi il ressemble à l'âge de 23 ans. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis, vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram si vous en avez envie. Et sinon, moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!